Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Evil Within 2. Nous en sommes à l'épisode 25 de notre aventure horrifique comme d'habitude. Prenez un casque ou des écouteurs, éteignez les lumières, fermez les volets, prenez de quoi manger, boire un petit thé, ça fait jamais de mal. On va parler à notre chère infirmière. De puissance et de confiance. Je me rapproche de la fin et j'ai appris des choses. Je veux seulement en finir une fois pour toutes. Je peux vous fournir de l'aide, mais... Mais quoi? Vous devez faire attention. Vous avez surmonté des défis, mais une confiance aveugle peut causer votre perte. Il vous traquera en utilisant les recoins les plus sombres de votre esprit. Alors je ferai bien de me préparer. Ha! Ça en dit long! Ça en dit long sur Théodore! Donc c'est le boss final, hein, clairement les gars, c'est clairement le boss final. J'avais 12 000, c'est énorme. Après une attaque suffisamment peut coûter, encaisser et poursuivre avec une santé très faible. Hop. Ça me paraît pas mal ça, non? Et ça augmente votre seuil de tolérance à la douleur, vous survivez aux attaques qui auraient dû infliger assez de dégâts pour vous tuer. Non, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est plus ça qui m'intéresse. On va prendre ça. Tiens, on va ouvrir ça d'ailleurs. Ces cadeaux, ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir d'autre? Ah, il y a des choses intéressantes ici aussi quand même. On va pas se mentir, les mecs. On va prendre ça par exemple. Waouh, 75 000! Ralenti synaptique. Appuyez sur triangle en visant pour vous concentrer et ralentir le temps. Waouh! J'aurais dû le savoir il y a bien longtemps. Ok, encore moins de recul. Allez, on va prendre ça. Toujours moins de recul. J'adore quand il y a moins de recul. C'est incroyable. Et ben voilà, on est bon les gars. Direction le stem, direction Théodore. On est prêt, je pense. On est prêt pour cette guerre. Même si finalement on n'est peut-être jamais assez prêt. Je ne sais pas ce que ça va me coûter. Je ne sais pas combien ça va me coûter. Attendez. J'ai un truc. Faut vraiment ça là. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ok, il y a déjà un chargeur plein. Bon, on se le fera au lance-flamme, on verra. Allez, on verra sur le moment, on verra sur le coup, on verra ce qui nous attend. C'est parti, Théodore. J'arrive, mon frérot. Bienvenue en enfer. Bienvenue dans le stem. Bienvenue dans notre aventure horrifique. Je vous ai laissé une chance de m'aider. Mais comme vous refusez, je n'ai plus le choix. Je vais démanteler ce monde. Je trouverai votre femme et je la tuerai devant votre fille. Qui souffrira comme une damnée entre mes mains quand j'utiliserai son pouvoir. Pas si je vous tue avant. Et pourquoi les choses seront-elles différentes cette fois? Je reviendrai à la charge tant que l'un ne sera pas mort. Alors venez vous voir. Je le carnage comme un pouvoir. Ouais. Ça me plaît, baby. Théodore, j'arrive. Ok. On va se calmer, hein. On va se calmer, les paupiètes. Théodore! C'est donc dans cette arène qu'on va se battre, mon cher. Ok. Il y a des poudres, il y a plein de choses. Ah non, c'est dans l'arène d'après. Ok, on a des trucs en bas, je pense, non? Attendez, les gars. Déjà, je regarde le terrain un petit peu. Peut-être des choses intéressantes, pas du tout. Alors qu'est-ce que j'irais foutre en bas, franchement? Qu'est-ce que j'irais foutre en bas? Je me suis bourré de touches, je me cours toujours de touches. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Parfait. Vous l'avez trouvé. Parfait. Prouvez-moi votre loyauté. Rapportez-moi le noyau. D'accord. Il est en bas le noyau? Allez. Bah oui, avant un boss, autant aller tout droit vers la mort, non? Vous en pensez quoi? Ça va être cool. Vous l'avez trouvé. Ok. Parfait. Prouvez-moi votre loyauté. C'est parti. Vous l'avez trouvé. Parfait. Vous êtes spécial. Vous l'avez toujours été. C'est pour cela que je vous ai fait venir ici. Que je vous permets de créer votre propre espace. Prouvez-moi votre loyauté. Rapportez-moi le noyau. Évidemment, vous êtes un artiste, Stefano, et je respecte cela, mais il me faut d'abord la fille. D'accord.
Souvenir résiduel, c'était sur Stefano. On a foiré 4 souvenirs. Ah bah je me suis fait une seringue et je m'étais mis full life. Donc ça sert plus à grand chose. Ok, c'était juste pour un souvenir résiduel, très bien. Bon, ça m'a rappelé Stefano, le frérot, comme on l'appelait dans le milieu à l'époque. Maintenant c'est terminé pour lui. Fin de l'histoire, il m'a provoqué. Ok, ok, c'est parti les gars. Peut-être même qu'il n'est pas mort. Très bien, si vous désirez goûter au désespoir, alors du désespoir, je vais vous donner. C'est toi qui as fait ça, papa. Tu ne m'as pas sauvé. Tout va bien, mon ange. Je vais tout réparer. Je t'aime tant, ma Lily. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Et cette fois, je vais te sauver. Je te le promets. Vous avez évacué une partie de votre culpabilité et de votre douleur. Mais la profondeur de vos traumatismes passés est vaste. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Je sais ce que vous cachez au plus profond. Votre profond puits de peur me donne toutes les armes. Vous avez vu tant d'horreurs. Et elle hante toujours vos souvenirs. Souvenez-vous où tout cela a commencé. Souvenez-vous de Beacon. Ah. Oui. Tout vous revient en mémoire. Ok, c'était le boucher, les gars. Ok, c'est à moi de jouer. C'était le boucher, les mecs. Notre premier adversaire. Dans Evil Within 1. Toujours tout droit. J'espère qu'on va revoir Rubik, ça serait cool. Quoi? Ça suffit, vos conneries. Pouvoir m'arrêter. Voilà mon Sébastien, c'est ça qu'on veut, putain. Encule-moi tout ça, Sébastien. Coupe-lui la tête. Allez, allez mon gars. Normalement un couteau, non mais c'est impossible qu'un couteau tienne. Allez ça les gars, c'est masculin. Ok, c'était qui ça? Barbelet? J'ai l'impression de jouer à Pyramide et essayer de deviner en avance. Oh, trop bien! C'est tête de cube! C'est tête de cube, les mecs! Oh, il était tellement stylé! Il me faisait peur aussi. Tête de coffre.
Attends. Ok. Attends. Parce que là, c'est la panique. Attends, je sais plus ce que je fais, gros. Wow! Allez, ça dégage. T'es où, mon poteau? T'inquiète pas, j'ai peur de personne. J'ai peur de rien ni personne. Tu sais comment on m'appelle dans le milieu? Tu sais comment on m'appelle? Tu ne sais pas? C'est normal. Et il pouvait revenir dans d'autres coffres. Oh, c'est incroyable. Ok, là, il n'y a rien à faire. D'accord, mais en fait, il revient à la fin. Ah! Waouh! T'es fou! Mais il est fou! Ok, il y a un truc à ramasser. Ah! Oh putain, il m'a fait tellement peur. Arrête, wow! Quel est ce bug des damnés? Ok. Ah, il y en a deux à affronter, ça c'est chiant. Wow, non mais arrête ça, c'est pas... Wow! Pardon, monsieur! Ok. Ok. Ah, il m'a attaqué qu'un gigot! Oh, les histoires à Bamako! Ça, c'est une sale histoire. Bon, résumer nos armes, s'il vous plaît. Allez, ça dégage. C'est dans le bide. J'ai plus rien. J'ai plus rien, les mecs. Oh non! Oh les enfers! Je t'ai déjà réduit en cendres. Je recommencerai. Oh là là! Sur cette musique épique! Oh putain, attendez. Makai, il n'est pas compris. Attends. Eh, toi, je sais pas ce que t'es. T'es pas prêt à ce que tu vas subir. Non. Attends, mon frère. Vas-y, viens, mon pote. Y'a quoi? Vas-y, dis-moi, y'a quoi? Oh putain. Allez, brûle en enfer. Allez, brûle en enfer. Brûle en enfer! Tu ne mérites que l'enfer! Oh oh. Ok. Ça c'est fait. Oh, j'ai plus mal. J'ai plus rien. Hop. Bougez pas. Salut. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je sais pas c'est quoi. Je teste des trucs. Je teste des trucs et ça m'a l'air pas mal. Ah, je crois qu'on prend de ce que c'est. Non. Oh, arrête, abuse pas. C'est bon?
Je n'ai plus rien, mon pote. Sniper. Ok. T'as voulu détrôner le duc. Je voulais pas en arriver là. Mais c'est une histoire sans fin. Il fallait qu'un de nous demeure très rapidement. J'ai plus rien. Bah alors, Théodore. Qu'est-ce que vous êtes? C'est tout ce que vous avez? Mira. Elle doit rester en sécurité. Je protégerai Lily de quiconque veut me l'enlever. Tu as réussi. Théodore est mort. Rentrons chez nous. Non ! Le pouvoir du noyau m'appartient. Lily est en sécurité maintenant. Où est-elle? Allons la chercher et quittons cet endroit. Si on peut patienter que je me refasse un petit peu en munitions avant d'affronter qui que ce soit, ça me ferait plaisir, les gars. J'ai plus une balle nulle part. Mira. Ok, c'est à nous de jouer. Bon, les gars, j'ai plus rien. Je... S'il vous plaît. 0, 0, 0 et 0. Hein, donc les gars, va falloir faire un petit effort à partir de maintenant. Alors attendez, c'était quoi mon arme que j'avais en bas? C'était ça. Je sais pas du tout. Je n'ai rien pour me défendre. Mackay, il va y aller au couteau, hein. C'est pas grave, hein. Mais quand même, c'est chiant, hein. Ok, par où on part dans cette connerie, là? Là-dedans, là, dans la glu, là? Dans ce truc infâme. Non, même pas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là-dedans, non plus. Par la pièce où j'ai tué Théodore. Ah, d'accord, ouais. Faut repasser en arrière, très bien. Oh là. Oh là, c'est le bordel. Très bien. Oh non. Il ne reste presque plus rien de cette ville. Chapitre 15. Faire, Mira. La fin de ce monde. Très bien. Je pense que Mira essaye de tuer Mobius et de finir avec tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle veut juste tuer Mobius comme ça. Elle est tranquille et elle aurait pas tort d'ailleurs. J'aurais fait pareil. J'ai toujours pas de balles. Hein. C'est terrible. Vous avez pas des balles, monsieur? Vous n'avez pas des balles? Quelqu'un a des balles, les gars? Waouh! Surmontez le passé. Surmontons, les gars. Bon. C'était compliqué. Théodore, il nous a fait revivre tous les boss de Evil Within 1. C'est incroyable, que de souvenirs. Puis la tête de boîte à caca était quand même assez ouf. Mira. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Où es-tu parti? Ok. Bon, bah écoutez, les gars, y a rien, hein, qu'est-ce que tu veux? On me donne pas de munitions. On me donne pas de quoi me défendre. Je sais même pas où je vais. Ah! Waouh! Incroyable! Serait-ce de la poudre? Oh putain! C'est merde, les gars.
Oh putain, cimer les mecs. Oh, cimer les gars. Attendez, 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 je crois par contre, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours mon sniper dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est? C'est la merde. C'est juste la merde. C'est fini. Allons chercher Lily et quittons cet endroit avant d'y rester coincé à tout jamais. Nous pouvons reformer notre famille. Je t'en prie. Je sais que tu peux m'entendre. Arrête! Tu dois m'écouter! Mira, qu'est-ce qui se passe? Tu dois résister. Je ne peux pas. Je dois protéger Lily. Tu l'as déjà fait. Stefano ne peut plus rien lui faire. Théodore non plus. Ils sont morts. Je ne vous laisserai pas ici, Lily et toi! Mira! Et merde! Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Ok, on a trouvé de la poudre à canon. Je suppose qu'on aura encore un miroir pour retourner dans la salle de Sébastien. Suivez Mira dans les ruines d'Union, on va le faire de ce pas, aucun souci. Très bien, je pense que c'est la puce implantée dans la tête de Mira. Bah tiens, bah il est là notre miroir les gars. Qui lui fait ça? Est-ce que par hasard, qu'est-ce qu'on a là? On a des vis, c'est incroyable. J'adore les vis, c'est parti. On va se faire 4-5 munitions, on peut faire que ça les gars. Et on va save, aucun problème. Puis on va voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est terrible, on n'a plus rien. On a combien? On a 19, mec, on peut rien faire avec ça. On peut rien faire. 19. Des balles de pistolet. Allez. Hop, une balle de fusil d'assaut. Oh, quoique. Non, non, c'est un lance-flamme. C'est terrible. C'est terrible! Une balle de fusil d'assaut. Ma vie est incroyable. Ma vie est incroyable et très nulle aussi par la même occasion. On est parti, les gars. Il faut y aller. C'est sûrement le dernier épisode. Quand tout s'effondre comme ça, tout comme Evil Within 1, la fin de ce monde, chapitre 15. Allez, fais-moi rêver. C'est par où la sortie? C'est par ici. Et c'est beau. C'est par ici. Voilà, tiens, on va prendre... Peut-être pas la fumée, mais on va prendre... Allez, on va prendre ça. C'est parti. Dites-moi qu'il n'y a pas de méchant. Je veux juste pas de méchant. Mira! C'est totalement évident. Ok, 1, ça va. Bon, 3. 1, ça va, 3, c'est trop. Hein. Quand il y en a marre, il y en a marre. Hein. J'ai pas... Faut que je me débarrasse de ces créatures. Peut-être qu'ensuite, je pourrai la rattraper. La merde. Ils veulent pas faire demi-tour, non? Ah. Ah. Bah je voyais pas ça. Ok, que des bouteilles, hein, impeccable. Le petit plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Balle de pistolet. Je prends volontiers. D'accord, d'accord, d'accord. Yo.
Attends, ça va, ils sont pas ouf, ils ont pas l'air ouf. Je pense que si je m'écarte, j'ai moyen d'être tranquille. Ah, attends, par contre, s'ils me suivent, c'est évident. Non! Lâchez-moi, monsieur! Là, monsieur! Allez! Voilà! Faut me lâcher, hein, par contre. Parce que quand il y en a marre, il y en a marre. Ok, des balles de pistolet encore. Ça me va très très bien. Des cartouches de pompe. Ça me va très très bien aussi. On est en train de se refaire petit à petit. Voilà. On a quelque chose de l'autre côté. Je me demande s'il peut venir. Compliqué cette histoire encore. On a encore un boss. Hein. Je pensais qu'on était à la fin, mais pas du tout. Ok. Ah oui, mais Sébastien... Ah d'accord. Maké, y'a-tu Mali? Non, attends, tu déconnes, Sébastien. Non, mais vraiment, tu n'arrives pas à passer. Oh, c'est terrible. Il peut rien passer. Sébastien, t'es nul à chier. Bon, c'est chiant. Ah. Ouais, c'est vrai que si tu crains pas beaucoup ça, c'est relou. Allez, on va sortir très rapidement, hein, c'est chiant. Je me débarrasse d'eux. J'essaye de faire le tour. J'essaye de vraiment pas gâcher des munitions, mais c'est quasi pas possible. C'est chiant. Non mais abuse pas, mec. Arrête, oh. Oh là 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 là, catastrophe, bro. Voilà. Allez! Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Je me trouve pas d'excuses, mais là, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Arrête. Oh. Je méritais. J'ai eu ce que je méritais, finalement, les gars. Et je méritais ça, largement. C'est incroyable. Impossible à esquiver. Je m'asseyais au lieu de courir. Je comprends pas. Je me perdais dans les touches. J'étais peut-être manipulé finalement par moi-même. Mais ils ont les pires mouvements du monde en fait. C'est relou, hein, vraiment, hein. On va faire que ça, j'ai rien à foutre. Ah, ouais. Forcément. Forcément, forcément, forcément. Pas. Ok, on est bon les gars, on est bon. Non, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était terrible les gars. C'était terrible cette épreuve. J'espère qu'elle est pas allée trop loin. Ouais, bah moi je suis allé beaucoup trop loin moi par exemple. Hein. Et ça fait chier putain. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Je vous rassure, hein, si ça vous énervait, ça m'énervait aussi. Hein. C'était terrible. Hein. C'était terrible. Me regarder jouer, j'avais envie de me zlataner, tu vois, c'était dingue. Ok, on va rentrer là-dedans, on va aller récupérer ce bordel là-haut, là. C'est des vis, je prends. C'est plutôt cool, des clous, pardon, pour faire le truc explosif, je prends. Volontiers. Ok, on a des cartouches de pompe, ça me fait plaisir. On a de la poudre, ça me fait plaisir. Donc on va encore croiser des adversaires et un miroir. Allez, c'est par ici. Je sais pas par où elle est passée. Mira, arrête-toi! Ça va, elle m'a attendu. Ah! Vous voyez les trois mecs en bas, ça va être drôle. Ok. Vous savez quoi? Je pense pas qu'on ait le temps. Je vais prendre celui-ci.
Parce que j'en ai marre du fusil à pompe canoncier là. Et merde. Encore. J'ai pas le temps pour ça. Oui, bah oui. Oh, arrête un peu. Soyez pas lourd, putain. Ah mais vous êtes 4. Mais pourquoi... J'ai pris ce que je méritais les gars, j'ai pris ce que je méritais. J'ai pris totalement ce que je méritais. Allez, on est reparti. C'est chiant, ah bah faut garder les nerfs à rude épreuve hein, les mecs. Hein. C'est un petit peu terrible. Hein. Alors attendez, c'est bon, il m'a mis une bonne bombe. Et merde, encore. J'ai pas le temps pour ça. C'est bon, lui il a l'air de s'arrêter juste ici. Et deux en moins. Allez les gars, on est parti, on respire un bon coup. Le gel qui met 8 ans à être pris, c'est assez terrible. Ok, je prends une grosse trousse de soins. Ça c'est volontiers. Essayer de s'avancer un petit peu. Il y a du monde par ici. J'ai envie de tenter un truc. Attendez. J'ai deux carreaux harponneurs, mais oui, c'est sûr. J'avais oublié. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Réellement, les mecs, les carreaux harponneurs, je comprendrai pas tout. Je comprendrai jamais. Ok, on est reparti. Ne nous énervons pas. Sinon, on n'y arrivera pas. Je sais pas du tout par où il va passer celui-là. Voilà, lui c'est fait. Bien évidemment qu'on ramasse. Ça, on va faire tomber très rapidement. Il en reste plus qu'un. On s'en est bien sorti. Mais il est passé par où ce con? Il est là. Ok, on s'en est bien sorti. Ils étaient 4. Faut pas s'énerver. Faut pas laisser les émotions prendre le dessus, les gars, sur votre gameplay. Sinon, c'est un peu trop terrible. Mate la gueule du bordel en plus. Allez! Ça, ça dégage! Ok. J'espère que ça va être... Ah, c'était par ici. Très bien. C'est chiant, hein. Je sais pas, il y a combien de phases comme ça, là, avancer dans une... dans cette ville démolie, mais c'est relou, hein. Je vous le dis. J'annonce d'entrée de jeu. Hop, ça, je prends par contre volontiers. Carreau fumigène, qui j'en ai à foutre, putain, merde. C'est le dernier de mes soucis, une smoke, les gars. Ah, ça je prends volontiers. Il y a des bruits tellement chelous. Allez, encore. Oh, ouais, tiens, allez, encore. On remet ça, les gars. On remet ça. Ok. Elle est là. C'est bien, elle m'attend. On dirait qu'elle se cache derrière une voiture en attendant que je finisse ma petite phase. What? Mais oui, c'est clair! Oh non! Quoi? Quoi? Faut que je le tue là, le bordel là? Faut que je tue le bousin là? Non, tu déconnes. Non, mais je peux pas. Attends. Je ne peux pas le chanter. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ah! Il est énorme! Attends. Waouh! Je rigole, frère! C'était pas mon intention! Ouais, on va mettre ça là, on verra. Vas-y, rentre. Dis-moi ce que t'en penses, gros. Waouh! Je rigole, gros! C'est énorme! Ah ouais, mais le bousin il craint rien. Oh là là, l'enfer. Vous êtes un enfer, les gars. Waouh. J'ai plus de... J'ai plus tard, faut que je récupère ma santé. C'est bon? C'est bon, là? Là, c'est bon, là, non? Là, c'est bon. Ok. Alors ça c'est pas mal, c'est la première fois. Oui, parce que c'est chiant en fait, les gars. Je vous aime, j'aime la vie. D'accord, j'aime proposer des games. 10 000 par contre, là tu m'as rincé le cul. Hein. Là tu m'as clairement lavé le cul, hein. C'est moi qui te le dis. Mais c'est chiant en fait, là ça commence à devenir compliqué votre délire, non? Évidemment, bah oui. 3 caisses, y'a rien dedans. Ils en ont rien à foutre. Tu peux crever dans d'atroces souffrances, qu'ils en auraient rien à foutre. Mais vraiment, y'a rien. Impeccable. Et là, peut-être, on y croit. Ah, par contre, chose à noter, il y avait un petit bidon. Il n'y a rien. Chose à noter, il y avait un petit bidon. Eh, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être qu'on y retournera à cette histoire. Ok, je récupère les smokes. Très bien, il y a des smokes. Des smokes en veux-tu, en voilà. Bon, c'est compliqué, hein, cette histoire, hein. On va faire tout le tour, les gars. On va faire tout le tour. Ah, on peut pas. C'est un mur invisible qui nous bloqua, malheureusement. Ok. J'ai des petits trucs électriques. Je sais même pas si ça fait vraiment des dégâts. Bon, j'ai des balles de pompe. C'est ce qui me rassure le plus. J'ai plus de balles de snipe, me semble-t-il. Une balle de snipe, histoire de dire. Ok. Allez, on avait dit que c'était le dernier. Que c'était chiant. Mira! Où vas-tu? Je te laisserai pas faire de mal à Lily. Lui faire du mal? Je ne ferai jamais ça! Je l'aime! Ton amour ne peut pas la protéger. Je suis la seule à en être capable. Sébastien, je t'ai dit de partir! Je ne la laisserai pas prendre Lily.